Là, c'est la crèche. Dedans, il y a Jésus. Saint-Joseph est pris. Et Marie aussi. Puis les rois mages, ils sont là, ils arrivent. Puis l'étoile, elle est là-haut, elle avance. Puis les rois mages avancent. Puis elle se pose là-dessus et s'arrête. Puis moi, j'adore Jésus. Et il y avait des animaux aussi dans la crèche ou seulement des hommes? Oh, il y avait rien que des moutons. Le bœuf, l'âne, il n'y avait pas dans la crèche? Oui, aussi le bœuf et l'âne et les moutons. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait seulement? Non, il soufflait pour que Jésus ait bon chaud. Il soufflait? Oui. Et tu crois que ça marchait? Oh oui, parce que tu soufflais, c'était très chaud. Et toi, quand tu es né, est-ce qu'il y avait aussi un âne et un bœuf qui te soufflaient dessus? Non. Tu aurais aimé? Oh, oui, quand même. Oui, mais parce qu'il était pauvre, parce qu'il n'avait pas d'habit, c'était pour ça. Il n'avait aucun habit, rien du tout? Rien qu'une culotte et une chemise, puis c'est tout. Puis il faisait très, très, très froid. Il y avait de la neige? Oh, c'était gelé dehors. Et les gens n'ont pas pensé à lui installer un chauffage ou quelque chose comme ça? Oh non, parce qu'il n'y avait rien. C'est dans cet ancien temps, il n'y avait pas toutes les choses qu'on avait maintenant. C'était ennuyeux. Oh oui. Il n'avait même pas des titis, on appelle toujours ça. Vous savez, ces voitures. J'en avais une, j'aurais pu vous la porter. Il n'avait même pas ça? Non. Pas de jouets, quoi? Non. C'était pas très gai au fond. Oh non. Mais il avait un lit, un joli berceau dans la crèche. Non, il avait rien. Vous voyez, c'était rien qu'une table, un peu de paille. Il se couvre avec ça. De la paille? Oui. Ça devait piquer, non? Non, non. Et on m'a raconté qu'il y avait un méchant roi qui s'appelait Hérode. Oui, aussi. C'était un roi mage, celui-là. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait tuer tous les petits bébés, il a dit. Je vais tous tuer tous les bébés. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Parce qu'il aimait pas Dieu, il aimait le diable. Parce que Dieu, c'était tout indifférent. Ça, on s'en occupait pas. C'était le diable qui l'intéressait. Il y a des gens comme ça? Ah oui. Et alors il a dit, je veux tuer tous les petits bébés? Oui. Et comment est-ce qu'il a fait? Mais il n'a pas pu, parce que le roi Hérode, il habitait en Égypte, mais pas dans la même maison. Il les a pas retrouvés. Ils se sont cachés? Oui, oui. Mais ils ont dû se sauver alors à toute vitesse? Oui. Comment est-ce qu'ils ont voyagé? Ils avaient une voiture? Un âne, puis la charrette. Mais ça va pas très vite, ça, pour se sauver. Tu as déjà vu un âne qui allait vite, toi? Non, un chameau. Un chameau? Oui, oh, ben les chameaux, ils courent vite. Ils sont cachés dans une maison et le roi les a pas trouvés? Non. Est-ce que les pauvres fêtent aussi Noël? Les pauvres, s'ils peuvent, oui. Mais en général, ils peuvent pas parce qu'ils sont très pauvres. Oui, je pensais aux petits-enfants, moi, qui habitent dans des pays où il y a beaucoup moins d'argent que chez nous, par exemple. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'ils font pour fêter Noël? Enfin, ils peuvent pas le fêter. C'est triste? Oh ben oui. Tu penses pas alors que... pour Noël, on devrait penser à eux? Oui, moi je pense à eux, mais je peux pas aller en Afrique parce que c'est trop loin. C'est surtout en Afrique que les gens sont pauvres? Oh, oui, c'est en Chine puis en Afrique. Et ils font quoi alors le jour de Noël, les Chinois et les Africains? Ben ma foi, ils restent dans leur maison. Puis vous savez, Jésus, quand il est monté au ciel, il n'est pas venu se sentir comme un grand seigneur. Il s'est mis sur un trône, puis il a dit, adorez-moi. Regardez comme je suis si beau que ça. Il n'a pas dit ça, il est venu pour servir les gens. Il n'est pas venu comme un grand seigneur sur la terre pour dire, adorez-moi maintenant. Parce que je suis le roi, vous savez, je suis le roi de tout le monde. Maintenant, adorez-moi. Il n'a pas dit ça, il est venu pour servir les gens. Pour aider les pauvres, pour soigner les malades, pour guérir. Tout ça, il est venu. Mais il n'est pas venu pour être servi. C'était plus gentil de sa part. Oui. Alors c'est pour ça que Dieu dit qu'il faut toujours l'aimer, il faut l'adorer. C'est pour ça qu'on va toujours à l'église prier.
C'est ça qui est important dans la fête de Noël. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Se souvenir de ça ou bien recevoir des cadeaux? Tout est important.